Et de nouveau sur Kerbal Space Program pour le challenge KSC5. Je vais continuer mon drone tout à l'heure avant le live de Grand Ambuti et que je mange. Le jeu s'était terminé un peu brutalement par un. Le live s'était terminé un peu brutalement par un plantage du jeu. En bonne et due forme. Bien comme il faut. Donc voilà. Alors on va commencer par. Le temps que le monde arrive, partager ça là où il faut. C'est-à-dire, tac, petit, là, ici. Accueil. Un petit message qui va bien. Hop, on va poke un peu KSC, Kerbal Space Challenge. Dakites aussi, tiens, Dakites. Dakites, voilà, hop. Cassine hésitant. Hop, tac, 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 tac. Je. Continue mon drone titanien. Je continue mon drone titanien, donc on va copier ça. Tac. Voilà. Et puis je vais mettre ça aussi sur le Discord. Pas trop discussion générale, on va peut-être mettre ça. Ça me paraît pas mal. On va y mettre ici, tac. Voilà, on va essayer de ramener un peu de monde hein, quand même. Hop. Ok, maintenant je vais fermer ça parce que sinon il met les messages dans le coin. Je ne veux pas. Je mets ça là. Tag de notif. Ah, voilà. Dakites, il va peut-être venir sur le live du coup. Il a retweeté mon message qui annonce le live en cours. Voilà, on va taper aussi le petit message de bienvenue. Paf. Pif. Et paf. Voilà, hop. J'apprenne à utiliser mon bot et mes trucs comme ça. Voilà. Alors, comment c'est parti? Charger sauvegarde. KSC5, Cassini, Titan. Hop. Donc là, l'épisode de tout à l'heure que j'ai fait en live, j'ai récupéré la vidéo et je l'ai uploadée sur YouTube. Je la. Salut Dakites. J'ai vu que tu avais RT mon tweet. Donc si tu es là un petit peu vite fait, tu vas pouvoir voir mon magnifique drone, qui s'appelle pour l'instant toujours Drone Test, hein, c'est pas forcément ce modèle qui partira sur Titan, mais déjà ça commence à ressembler à quelque chose. Et voilà, tout à l'heure le live s'était terminé un peu en vrac. Donc voilà un petit peu le truc. Entre-temps, par rapport au live de tout à l'heure, j'ai juste recalé l'antenne qui avait un problème de collision avec les pieds. Voilà. Mais sinon, je n'ai absolument rien changé pour faire la capture d'écran pour la miniature. Tu n'as pas le son par contre. T'as juste activé vite fait pour entendre ma jolie voix. Oh, c'est gentil. Mais attends, comment tu as pu entendre ma voix si tu n'as pas le son? Bon, bref, c'est. Voilà. Oui, il est bien plié. C'est. Ben, il faut qu'il rentre dans la coiffe. Hein. Et malgré tout, c'est quand même une coiffe. De. Enfin, une coiffe. Une capsule, je veux dire, d'entrée atmosphérique. Il va falloir que je parte sur du 3,75 m a priori. Le plus gros qu'on ait, hein, à part le gonflable. Mais il faut. Ça va être du 3,75 m, hein. Là il est à peu près, il va remonter, hein, mais c'est. Je l'ai pas. J'ai juste coupé, je suis avec. Ah d'accord, ok. T'as juste coupé pour avoir juste l'image. Ok. Bon bah du coup je parle mais tu ne m'entends pas, mais. Donc je vais mettre ok dans le chat, voilà. Parce que sinon évidemment, si je te dis ok, je suis d'accord et que tu ne peux pas m'entendre et.
Voilà. Bouclier thermique de 3,75 m. C'est un gros bidule. Donc le pliage, il est là. Et donc il se déplie comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, il se déplie. Hop! Il ressemble à ça une fois déployé. Ah, c'est pile le volume de celui du teaser, j'ai l'impression. J'ai beaucoup aimé les boucliers restock qu'on peut translater vers le haut pour le contexte sont déjà enveloppants. Ouais, je vois, c'est quand tu mets ça. Ils sont plus propres à l'intérieur, effectivement, on peut les déplacer vers l'intérieur pour les remonter au contact. Genre comme ça là. Et là-dessus, mais bon, il va y avoir une coiffe de toute façon là-dessus, donc voilà. Il faut que je finisse par contre l'étage qui est là. Ouais, attends, je vais te montrer le lancement. Attends, par contre, pour montrer le vol. Il faut que je l'enregistre en mode ouvert. Tac. Hop, c'est parti. Parce que je ne peux pas l'ouvrir sur le sol, évidemment. Tac. Il faut que je rajoute des lampes quand même. On déploie, 2, on verrouille, et 3, on démarre les moteurs. On balance le bouclier, parce qu'il sert le bouclier. Wouah! Oups! Tout à l'heure, il marchait. J'ai dû oublier un truc. 1, 2, 3. SAS, lumière. Alors déjà, si je verrouillais mon truc, ça serait mieux. Hop. Allons-y, allons-y. On va aller se poser sur le toit du VAB, comme d'habitude, pour essayer. On va essayer de se mettre en mode un peu vue dessus. On s'en y verra mieux. Voilà, tac. On va laisser descendre un petit peu. Tac, 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 tac. Un peu plus de patates. Petit à petit, je vais finir par maîtriser le vol de cet engin, hein, à force. Ah, j'ai raté le toit du VAB. On recommence. On recommence, on va essayer plus propre. Je gère. Ouais, non, je gère pas. Tu n'entends pas ce que je dis, mais non, je ne gère absolument que dalle. Ah!
Hop là. On arrête les moteurs. Voilà. Hop. On peut déployer l'antenne. Voilà. Chut. Petit drone sympatoche. Hop là, si je redémarre les moteurs, normalement ça plie l'antenne. Voilà. Comme ça, je risque pas de partir avec l'antenne. Déployer. Ok. Mais on va décoller, j'ai le SAS actif. Hop là. Là, je vais m'entraîner beaucoup sur le par là, je pense, quand j'aurai vraiment finalisé le design pour apprendre à voler parce que je découvre. Hop. Hop là, ah la poser. Tac. Hop, on peut ouvrir l'antenne. Ah, si, c'est bon. Tac. Allez, on va repartir un peu plus loin. Il faut que je rajoute, c'est de l'éclairage, je disais, sous le drone. Je manque de lumière. Parce que j'éclaire bien devant, mais dessous, pas assez, pour me poser sur des endroits éventuellement un peu difficiles. Donc là, faut que je m'entraîne vraiment au vol pour apprendre à voler à bon rythme. Tac. J'aurais bien voulu trouver un caillou à analyser pour tester le bras du robot, mais il n'y en a pas. Alors je voulais essayer le monolithe, mais il touche pas le sol. Donc il sera sûrement pas à portée de bras. Je vais essayer d'y retourner. Mais je garantis pas le résultat. Bon, en tout cas, à chaque épisode, je m'améliore sur le vol, en tout cas, hein, c'est... Déjà, là, on est plus stable, là, je vole à peu près droit, là, c'est... Il y a de l'amélioration, quand même, hein. J'arrive à maintenir mon altitude proprement, avec précision, donc là, c'est vraiment pas mal. Je suis vraiment content du résultat. Hop, on va ralentir un petit peu. On va baisser la puissance.
Ah, j'ai pas de cible à portée, ouais, je peux pas tester. Il est au-dessus ce couillon là. Donc malheureusement, je pourrais pas analyser le monolithe. Il est trop haut. Il touche pas par terre. Tant pis. Bon, enfin bref, ça vole, c'est le principal. Relancer le vol. Revenir au HAS. Alors. Donc je disais, il me faut des lampes, hein, parce que j'ai pas assez de lampes, évidemment. Il me faut des lampes en dessous. Ouais. Alors, faut que j'écrive en plus parce que Dakites est sur le live pour ceux qui regarderaient ça plus tard ou ceux même ceux qui sont là. Et mais il a pas, il a le son coupé parce qu'il peut pas avoir. Il est occupé, il peut pas avoir le son, donc il a que l'image. Le bras d'analyse sur le monolithe. Donc de l'éclairage, il me faut de l'éclairage. Donc là j'ai des lampes, tac. Ici j'ai des lampes. Ici j'ai une lampe. Ici. Tac, voilà. Donc là, j'éclaire un peu en dessous, mais pas suffisamment. Donc il faut que je rajoute de l'éclairage. Et je sais pas où je vais l'installer. Donc ça va être d'autres comme ça, d'autres projo, parce qu'il faut que ça crache. Alors je vais peut-être les mettre comme ça. Donc XR peut-être ici serait pas mal. Qu'est-ce que je pourrais le rapprocher éventuellement plus près du rover? Ouais, pas forcément. Parce que là, ça va gêner. Alors attends, on va décaler ça. On va carrément le foutre là-bas, lui. Tac. Celui-là, on va le foutre de ce côté. C'est joli, chargé, crédible. Ouais, c'est bien chargé, ouais. Il y a du monde dessus, là. Par contre, c'est bizarre, je suis pas symétrique. Là, il y a de l'espace ici, et là, il est pas dedans, là. Qu'est-ce que c'est que ce bignou, là? Ah, ça, c'est Zarbi, ça, ouais. J'ai plus d'espace de ce côté que là. Bon. Je sais pas pourquoi il me fait ça, on va supprimer de la symétrie puis on va le décaler hein, si c'est que ça. Va m'ennuyer très longtemps. Hein. Lui il a l'air bon. Ouais, bon. Voilà, ça en a un bon éclairage dessous. Ah, et le système de découplage pour le séparer de séparer le bouclier thermique, donc j'ai dû tricher un peu, mais voilà, y a c'est des séparateurs comme ça pour le. Normalement, ça se sépare avant le déploiement des pieds, évidemment. Tac. Il y a des antennes de secours ici. Et une antenne encore de secours là pour communiquer en cas de rupture de l'antenne arrière.
Voilà. Un petit peu à quoi ça ressemble. Je me demande si j'ai pas rajouté des lampes aussi sur l'arrière. Pour avoir un petit peu d'éclairage. Un petit peu plus omni en fait. Et je vais peut-être me voir pour éclairer les côtés en fait. Un petit peu. Donc je vais redupliquer celui-là. Que je vais mettre en fait même derrière d'ailleurs plutôt. Un éclairage un petit peu sur le côté. En fait, je vais même pas les mettre en dessous, en fait, plutôt que au-dessus. Quoique en dessous, ça va être compliqué avec la charnière pliée. Hein, mais tac. Ok. Même cela, il faudrait que j'éclaire très légèrement. Je pense qu'il faudrait que je les incline légèrement comme ça. On va mettre un cranté. Genre comme ça là, pour avoir bah, qu'ils soient pas éclairés non plus trop. Peut-être même un cran de plus. Histoire d'avoir un éclair. Ah, c'est trop. C'est trop. On va le remettre un cran comme ça. Bon, ça se recouvre un peu, mais bon, c'est pas mal. Ok. 23 h. Et on décolle. On met le SAS. Il part un peu en avant. Faudra que je corrige un peu l'équilibre de. Ah, j'ai un problème. Si c'est bon. Déjà, mon autre problème, c'est de ne pas avoir verrouillé la caméra sur le truc. C'est littéralement impilotable. Si on la verrouille pas. Hop! On va essayer de se reposer sur le toit du VAB. On va descendre. Hop.
J'ai encore des zones mortes dans l'éclairage. Il va peut-être falloir que je résolve ce problème. Allez, avance! Je veux que t'ailles par là-bas. Ça y est. Le vol de nuit, c'est pas évident. Pas évident, pas évident, pas évident. Remonte en puissance. C'est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il a du mal à monter là. Attends, je vais essayer de me poser par terre, parce que là, je comprends pas pourquoi. Pourquoi il ne veut pas monter. Il a aucune raison de ne pas monter là. J'avance vers le rétrograde pour ralentir. Ouf. Oups. On recommence. Revenir au lancement. Ok. 1, 2. SAS. On va repasser la nuit. Hop là. Démarrage des moteurs. Pourquoi est-ce que tout à l'heure il décollait bien et là il décollait pas bien? Normalement, à 50%, il part. Ah oui, si j'oublie de larguer le... Donc j'ai une petite zone d'ombre devant, là, il va falloir que je résolve ça. Qui ne me plaît pas. J'ai bien mes deux projos qui éclairent là, mais les deux de devant n'éclairent pas comme il faut. Par contre, les deux sur le côté sont pas mal placés, je trouve. Pour en tirer avec le drone, il faut viser le prograde. Hop là. Ok. Revenir au HAS. On va reposer le joystick à côté. Donc j'ai un problème d'éclairage qui n'est pas suffisant vers l'avant. Peut-être que si je fais comme ça... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais même le jarter pour faire les deux symétriques. Tant pis, je vais le reposer. En symétrie, par contre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ctrl Z. Ouvrir. Ne pas sauvegarder. Drone test. Charger.
Donc lui, on va le replacer. On va replacer un œuf dessus. Donc en miroir. On va le tourner en encre en T. Tac. La zone de lumière, on va mettre comme ça. Ça me paraît pas mal. Ça, j'ai juste une petite tache là, mais c'est pas bien gênant. Après, je me pose la question, c'est est-ce que celui-là est vraiment utile ou pas? En fait, il sert vraiment pas à grand chose celui-là. Donc, je pense que celui-là, je vais le jeter parce qu'en fait, il me sert à rien. Celui-là, il sert pas à grand chose en fait. Bon, après, par contre, c'est qu'il est placé un peu dégueulasse quoi. Je veux pas dire, mais celui-là, franchement, ça me plaît pas du tout, placement comme ça. Pas fan du tout. J'aurais presque envie de l'intégrer dans le corps du truc plutôt que. Plutôt que là. Par contre, je comprends pas, c'est que d'un côté il est bien placé et de l'autre il est dans le truc. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Il a aucune raison de faire ça. Là, je pige pas pourquoi il fait ça, quoi. Là, j'avoue qu'il m'agace un peu, là. Là, il m'agaçouille un peu quand même le machin là. Est-ce que je pourrais pas la mettre sous la charnière des fois? Je pense pas. À mon avis, là, ça rentre pas. Je suis quasiment sûr que ça rentre pas. Ouais, non, ça rentre pas. Par contre, peut-être que sur la charnière, ça pourrait peut-être passer. Ça, par contre, éventuellement. Non, je suis pas fan, j'aime pas. Non, sur la charnière, franchement, je suis pas convaincu du tout. Mais alors pas du tout. Je serais limite plus convaincu sur le dessus du châssis que sur la charnière en fait. Ah, je comprends pas, le miroir il me le fait pas symétrique quoi. Il y a un problème de miroir avec ce truc là. Il est pas symétrique là. C'est un peu ballot quand même. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait symétrique ce truc.
pas symétrique du tout. Hein. Parce que j'aurais pu après les orienter plus vers le bas. Tac tac tac, on va le mettre là en lui on va le mettre en limite, on va le remonter comme ça. On va le tourner pour qu'il se pour que les faisceaux ne se recoupent pas trop, parce que le but c'est d'éclairer devant, pas de. Je pense que là on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal là. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est ceux-là. Là. Donc ceux-là, ils éclairent dans le même faisceau. Donc le carrément, il faut les tourner. Attends. Ouais, mais on voit pas du tout ce qu'ils éclairent là, les trucs là. C'est quoi ce délire là? Ah oui! Oui, d'accord, ok. Alors, donc, la lumière rouge. Ouais, parce qu'en fait, le problème c'est que si j'ai 50 000 trucs allumés, je vois rien. Donc, on va éteindre tout ce que j'ai besoin. Voilà. Comme ça là, je vais éclairer. Juste devant. Ensuite, ceux-là. Là, on va mettre de la lumière verte. C'est juste pour régler, en fait. Hein. Par là-bas, à peu près. Voilà, juste qu'il recoupe un petit peu la lumière rouge. Tac. Ça, j'ai un bon angle de visuel de, sur tous les côtés, là. Ça, c'est pas mal. Là, on est plutôt bien. On va le rapprocher un peu plus près. On va également le reculer. Plus comme ça. Voilà, on a un bon éclairage pas mal là. Ensuite, par contre, il me faut de l'éclairage chez devant là. Clairement, dessous, là, j'ai pas assez de lumière. C'est dessous, clairement, qui me manque de l'éclairage à mort. Donc là, on va partir sur deux nouvelles lampes. On va mettre des lampes neuves parce que je les ai tournées dans tous les sens. Donc un miroir. Tac. Scale, on va l'éclairer en bleu. On va les tourner cranté. Déjà, il y a un problème, je vois pas l'éclairage en dessous. Déjà, c'est un petit peu emmerdant. Pourquoi je ne les vois pas? Ah ouais, le bleu, il ne vaut pas beaucoup, en fait. Hein. Ouais, c'est que ça recouvre tellement le...
Ouais, il a du mal là. Et il a un peu de mal à gérer, j'ai l'impression, les trucs. Bon, bref. Ça m'agace que l'autre il soit pas visible. Pourquoi il me fait ça là? Je pas, il va pas vouloir me laisser afficher les deux en même temps là, mais il m'agace là. Oh. Il veut pas m'afficher les deux à la fois là. Attends, si j'éteins celle-là là. Ah là il m'affiche les deux. Ok. Ouais, il veut pas mettre les trois lumières dans le faisceau. Je comprends pas trop pourquoi. Enfin bref, bref, on va chercher à comprendre. Pivoter. Ok. Et ça, on va le rapprocher. Ok. Allumé. Donc là on est pas mal du tout. Peut-être leur descendre un petit peu les lumières par là. Un petit poil le ramener plus par ici peut-être. En moins d'angle mort, je pense qu'on sera pas mal. Donc là, j'ai un bon éclairage partout autour, sauf une tache devant. Donc la tache de devant, il va falloir que je m'en occupe évidemment. Parce que si je fais allumer, le problème c'est qu'il m'enlève tous les autres. Il m'enlève le bleu. Je sais pas pourquoi il m'enlève le bleu. Il a aucune raison de m'enlever le bleu, en théorie. Là, il m'affiche tout là. En blanc il m'affiche tout et pas en... C'est un peu du n'importe quoi. Bon. Tac. Ok. Là, faut que je remplisse ce trou là. Avec un éclairage supplémentaire. Et donc là, on va mettre une autre lampe que je vais placer je sais pas où. Je sais pas où je vais la mettre celle-là. Peut-être devant le truc ici. Si je mets une lampe comme ça. Une seule lampe.
À la limite, celui-là, je le décale là-bas. Voir là-dessus. Twixcale à moitié, lumière allumée, déplacer, on va la remonter déjà un petit peu. Voilà, déplacer à ras devant et on va la faire tourner pour qu'elle éclaire. Le trou qui manque. Ça me paraît pas mal là. Je pense que j'ai une bonne zone d'éclairage bien fournie. On va peut-être juste laisser comme ça. Je pense que là, on devrait être pas trop mal niveau éclairage. Après, c'est à l'arrière. J'ai pas du tout d'éclairage à l'arrière. Et là, ça serait peut-être quand même utile d'en avoir un. Donc, on va rajouter un éclairage. Peut-être un MK2. Alors, il éclaire moins, mais... Peut-être pour l'approche finale en bas. On va le grossir autant qu'on peut. C'est qu'il éclaire vraiment pas loin celui-là, mais bon. On a un petit peu d'éclairage quand même là. Là, j'ai pas lésiné sur la quantité. Ça crache. Là, niveau éclairage, je pense qu'on est pas mal. Centre de masse de portance. J'ai très légèrement par là. Il est temps ça partir un peu sur l'avant, je crois, tout à l'heure. Hein. Est-ce que je pourrais pas rajouter éventuellement une batterie à l'arrière ou... Éventuellement quelque chose qui ferait un peu de poids sur l'arrière. J'ai des espaces inexploités là, donc je pourrais peut-être rajouter une batterie ici. Je vais voir si je peux pas faire ça. Déplacer. Genre lui, je le mets par là. Hop, petite batterie qui va bien. Et là, faut que je pousse ça par contre. Donc lui, on va le remettre. Voilà. Non, on va le remettre derrière plutôt là, parce que je pense qu'il passe ici aussi lui. Je
pense que lui là il passe sans problème. Celui-là. Ensuite il va peut-être gêner l'antenne. Oh non, même pas. Non, il passe. On va le décaler légèrement par là pour pas gêner le gravimètre. Le thermomètre, on va le virer, on va le foutre par là. J'ai presque même envie de le mettre dessus en fait. Il est pas mal là. Il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Je vais voir si on peut mettre une batterie en symétrie. Donc X. Ah, on tape dans le dans la lampe. Ouais, mais bon, la lampe au pire, je la décale. Si c'est que ça. La loupiote, on peut toujours la décaler un peu vers le bas. Un peu à l'écart. Ah merde, l'antenne. L'antenne qui me gêne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout scaler la batterie. Ah oui, en plus j'ai pas décalé le module de scan de surface. Donc non, ça va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, on va voir si on peut mettre une grosse batterie éventuellement. En pas en miroir, du coup. Ah, ça c'est pas mal par contre. Ouais, ça c'est bien. Ensuite, je vais regarder si je peux pas en mettre une autre ici. 50. Voilà, ça passe. Ça, ça rajoute un peu de poids et du coup ben, de la batterie. Toujours ça de prix. Là, j'ai presque envie de l'escaler à genre 80% peut-être. Ça fasse moins gros. 90 peut-être. Je peux peut-être faire un peu... Ouais, je pense que je vais l'escaler à 90%. Ça fera moins ma stock. Celle-là aussi, 90%. Là, les grosses, on va les laisser comme ça, en dessous, là. Ok, ok, ok. On est pas mal là, je pense qu'on est pas mal. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais. Je pense que là, on est plutôt bien. J'ai quand même vérifié que ça rentre. Non, c'est celui-là. Putain. Là, ça passe. Les batteries. Il n'y a plus qu'un spectateur. Dakites est donc parti. Bonne nuit, Dakites. Là on passe là. Là il y a la lampe donc qui éclaire devant. Les lampes. Donc j'essaye ce projecteur, on verra bien si ça éclaire quelque chose ou pas. Ok. Donc je vais refaire un essai quand même. On va l'ouvrir
en grand. On va faire un petit test. 23h33. Ça glitch pas, c'est bon. Rétracté, qu'est-ce que ça change? Ouais, ça l'arrête, c'est tout. Ça change rien du tout. Le seul truc que ça fait, c'est 2, on verrouille, 3, on démarre les moteurs. Ok, allez, c'est parti. On va essayer de voir si ça décolle. Alors, il décolle en avant. Il décolle systématiquement en avant. Alors. Ça veut dire que j'ai pas assez de portance à l'avant. Ouais, c'est que je vais pas pouvoir décaler les trucs beaucoup vers l'avant là. Parce que je suis déjà en limite limite. On va essayer un petit peu. Je vais essayer de les amener vraiment à touche-touche. Quasi touche-touche. Et je peux peut-être éventuellement réduire un peu à l'arrière. Parce qu'à l'arrière, je peux peut-être le rapprocher un peu vers l'intérieur du coup. Et faut pas que j'oublie de larguer le... Évidemment, faut pas que j'oublie de larguer la tâche du bouclier thermique, sinon ça ne marche pas. Parce que ce qu'il faut, c'est que là, en fait, quand je suis au neutre, faut qu'il décolle droit. Et pas en avant. Donc là, il part en avant, là. Donc c'est pas bon. Donc il faudrait que j'ai plus de poids sur l'arrière. Ou plus de portance à l'avant. Le problème, c'est que pour avoir plus de portance à l'avant, c'est que ça me gêne, là, ces pièces comme ça, là. Donc ça m'ennuie. Qu'est-ce que je pourrais déplacer à l'arrière pour augmenter le poids à l'arrière? Bonne question, hein. Que j'ai rien à rajouter à l'arrière, hein, là, donc... Alors, éventuellement, si j'enlève ça, que je mets un petit cube de structure... c'est dans quoi? Action. Par contre, ça a dû me péter mon antenne. Ah si, activer antenne et rétracter l'antenne. Ok. J'ai rajouté beaucoup de poids à l'arrière, 150 kg. On va voir si ça va donner quelque chose. C'est le déploiement, 2 c'est le verrouillage et 3 on démarre les moteurs. C'est pas facile. On va lâcher ça. Oh là, il part franchement en arrière. Oh
En fait, faut que je mette une masse de centrage à l'intérieur. Ah, le problème, c'est pour aller choper le bazar dedans maintenant, ça va être compliqué. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est que je mets un poids que je promène à l'intérieur de la truc pour faire l'équilibrage du machin. Ça paraît pas déconnant, quoi. Donc si je le mets là sur l'arrière, effectivement, je le rentre à l'intérieur. J'ai dû le chercher en faisant comme ça. Et normalement, en faisant quelque chose comme ça, je devrais arriver à accéder au cube. C'est pas forcément le plus simple à avoir, mais j'ai un cube que je peux déplacer à l'intérieur pour centrer plus ou moins la masse. Ah, bienvenue Alexandre arrivé. Je vois que tu arrives donc sur ma chaîne. Je suis en train de faire un rover, un drone pour Titan. Et là, je suis dans l'équilibrage en fait de masse. Faut que je fasse le centrage de masse pour qu'il vole droit. Alors on va remettre l'antenne à sa place. Mon droit de gauche est pas mal. Ok. Est-ce qu'il m'a bien gardé le... Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, il est 23h40, hein, la fatigue, bon. La fatigue, quoi. Ok. On verrouille, on démarre les moteurs. En fait, l'objectif là, c'est que sans le SAS, il faut qu'il lève droit. Donc là, il part vers l'avant. Donc il me faut plus de poids. Petit type pour être sur ton centrage. Place des petits moteurs sur les nacelles. Place des petits moteurs sur les nacelles. Indiquant que regarde la valeur de l'engine torque. Oh, alors là, il va falloir que tu m'expliques le truc. Parce que... Des petits moteurs sur les nacelles. Sur les nacelles de ici là, je mets des moteurs. Genre des petits moteurs radio et tu les colles au stator. Alors, des petits moteurs radio. Pas hélice quoi, un moteur genre RCS quoi par exemple. Un petit moteur RCS, qu'est-ce qu'il y a comme RCS? Ça là par exemple. Ouais, le Hant. Ah ouais, mais alors pour le placer sur la nacelle, là je t'annonce.
Pas les RCS. Ah, le petit moteur Ant. Attends, c'est quel le Ant déjà? Taille. Ou le hob là, l'électrique. Peut-être pas mal parce que sinon faut que je mette des. Au pire, tu mets sur les flancs tant qu'ils sont symétriques, les Ants suffisent. Ouais, celui-là c'est un fourmi. Ah non, c'est un ergol liquide le fourmi, autant pour moi. Ouais, le problème c'est justement la symétrie quoi. Parce que ils sont pas symétrisés mes trucs là. Alors après si je le crante et que je le mets comme ça, effectivement il va être... Ils vont être symétriques, effectivement. Donc là j'ai mis mes 4 moteurs, ok. Par contre j'ai pas d'ergol liquide dans mon truc hein. Après avec KER, qu'est-ce que je peux faire? Oui par contre faudra caler un réservoir d'ergol liquide pour avoir la valeur qui s'affiche. Ouais, la question c'est que si je mets un réservoir je change le répartition de masse. Après je peux mettre un tout petit réservoir en fait que je rescale avec... Je peux foutre un petit truc de merde que je rescale au minimum avec rien du tout quoi. Après, il suffit de faire... je mets ça. Ou... genre je mets ça là. Il suffit que je le mette à... scale 10% et voilà, il va pas me refaire mon truc là. Le poids qu'il fait là, je suis pas inquiet quoi. Ok, donc là j'ai fait ça. Je peux même si j'ai envie le... réduire au maximum pour avoir le... Ah zut. Le vraiment strict minimum de... Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que ça va me donner là? Torque 0,09 kN/m. Ouais, donc là, après, ce que je peux faire, c'est décaler mon bidule là. Faut que j'arrive à le choper. Tac. Et donc là, si je déplace le bidule, je vais avoir un torque qui va évoluer. Ah ouais! Par les moteurs que tu as placés, ça va également le coût géré par les rotors, ils ne sont pas pris en compte, mais moteurs, tu en es... Ah, d'accord. Et selon, je mets le truc. J'ai effectivement le couple que je peux ajuster à exactement 0. Ouais, ouais. Donc là, ok, j'ai centré mon truc pour avoir un torque nul. Donc là, je vais démonter les araignées. Ce petit réservoir là, je vais le jarter. Et là, je devrais être à 0 alors. Et ben, alors ça, je connaissais pas le truc. J'avais pas pensé qu'il y avait ce genre d'outil là-dedans. Disons que c'est au moins un bon début quoi, ça donne une bonne indication du truc quoi. Même si c'est pas parfait à la rigueur, bon au moins je pars déjà d'une base pas en vrac quoi. On va voir si ça vole droit là, tac tac tac. Alors, attends, faut séparer le... ça. Et là j'aurais monté droit. Ah ouais mais carrément ouais. Ah ouais. Ah oui, effectivement, ouais. Ah puis là il part droit quoi. Non mais c'est clair que là
Et encore, j'aurais dû enlever le... Mais là, il vole droit, ouais. Non, non, et non, et justement, je comprends pas pourquoi, parce que justement, ils sont par paire, en fait. Il y a deux horaires et deux anti-horaires, et... Et normalement, ils sont censés pas avoir de couple. Ouais, c'est ça, ils sont en contre-rotatif, hein. Tu vois, tu les vois démarrer là, tac 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 tac. Et j'ai toujours un petit couple qui me fait tourner le truc, je sais pas comment. Ils sont tous paramétrés à la même vitesse. Donc je comprends pas. Mais ça, j'arrive à le gérer, ça. Ça, j'arrive à peu près à m'en dépatouiller du bignou là. Ça, j'arrive. Donc là, je les démarre. On va faire un petit vol d'essai. Après, je pense que c'est pas mon joystick qui. Dont le centrage est un petit peu peut-être merdique, quoi. Bon, c'est un joystick, c'est un Logitech que j'avais payé 120 balles, donc c'est pas du joystick de pro quoi. Hein, donc j'ai toujours du jeu là, à peine je touche le manche. Après, je peux mettre le SS évidemment pour stabiliser un peu. Alors, par contre, j'ai un peu plus de mal à voler parce que j'ai quand même rajouté 150 kilos dans le bazar. Mais sachant qu'il est destiné à Titan, donc bon, voilà quoi. Au pire, faudrait que j'augmente un peu la vitesse des rotors pour compenser pour les essais. Parce que là, je suis en vol horizontal à 60% à peu près. Oh, 50, si, c'est pas mal, hein. Je suis un peu lourd, quoi. Mais bon, c'est vrai que ouais, j'aime bien ta technique. Franchement, elle est impeccable. Parce que là, effectivement, j'ai le truc qui est calé pile poil, quoi. Allez, pose-toi là. Ah, c'est un peu en vrac, mais bon, au moins il est posé. On va essayer de redécoller. Après, il y a pas mal de déformations au niveau des pièces mobiles là, c'est un petit peu. Et au niveau des charnières, même verrouillées, ça a quand même tendance à tordre quoi. Celui de devant, à droite par exemple, là, il se tord plus que les autres, je sais pas pourquoi. Alors normalement, je suis censé les avoir verrouillés. Ah, par contre, ça les déverrouille. Normalement, tout est verrouillé quand je vole. Ouais, c'est surtout que même verrouillé, ça y tord quoi. Le jeu a du mal à. Mais bon, ça reste. Ouais, en fait, il y avait une qui n'était pas verrouillée. Une fois verrouillée, ça va mieux, ouais. En plus, j'ai le SAS là qui me maintient quand même le. Donc voilà mon petit truc. Là, il fonctionne avec deux générateurs radioélectriques à thermoisotope. De RTG, donc. Voilà, je suis méga lourd en fait parce que j'ai mon centreur de 150 kg dans le truc. Galère à mort. Pas ouf. Il a vraiment du mal à voler. Mais bon, il n'est pas destiné pour autostrut. Ouais, il y a quelques autostruts. Mais en fait, ce que je pense qu'il faudrait que je fasse, c'est une fois qu'il va être.
Une fois qu'il va être posé, c'est manuellement rajouter les autostruts sur les batteries qui sont là. Parce que je pense que de faire ça, à mon avis, ça va y rigidifier un peu. En plus lourd sur les rotors. Alors sur les rotors, le problème c'est que ça me les bloque si je mets un autostrut. Si je mets autostrut pièce la plus lourde. Ah non, ça me le bloque pas. Tu vois, ça me le bloquait l'autre jour. Et les charnières aussi. Ah ouais, une fois que j'ai. Bon, déjà ça. Ouais, déjà sur les batteries là. C'est des batteries ça. Déjà ça me le. Ça store moins quoi. D'avoir autostrotté les batteries sur lesquelles sont fixés les rotors, c'est déjà ouais. Blob le spationaute. Alors retour HAS. Ouais, je vais essayer. Mais avant, faut que je comprenne. Parce que j'ai rajouté la masse de centrage dedans. Faut que je change la vitesse la vitesse max des moteurs. J'avais limité parce que c'était trop échu. Il faut que j'augmente la vitesse. On va monter à 300, à 400 tours par minute. En linéaire. Alors, copie. Coller, coller. Mince, j'ai fait copie. Copie, coller. Parce que ouais, j'ai rajouté le petit cube là de pour centrer, il fait 150 kg quand même, donc c'est vrai que ça pèse un peu quoi. Alors sur Titan ça sera pas gênant parce que à mon avis il faudrait même que je réduise un peu la patate des moteurs, mais on va virer le découpleur. Par contre c'est vrai qu'il faut que je autostrutte ça une fois que j'ai une fois que j'aurai déployé. Ouais, mais le problème c'est que si je le fais dans le SPH, autostrut, je peux plus les déplier. Ça les bloque. Bah, là, il vole droit. Hein. On va voir s'il se repose aussi droit qu'il a décollé droit. Et il a pas de couple là. Ah oui, ouais, vraiment là, il est nickel. Là. Ouais, là, il part vraiment impeccable. Ouais, c'est bien un tiers pour décoller, c'est pas mal. Alors, j'ai toujours une petite partouille vers l'avant. Mais ça, c'est que dalle, quoi. On va essayer de faire un petit vol comme ça. Donc là, je vole quand même avec... J'ai un... Sous le parachute, j'ai un... Ah merde. Une roue de réaction. Un jeu de roue de réaction pour le... Tenir droit. Tac. On va baisser un peu la patate parce que là vraiment je vais loin quoi. Est-ce qu'il accepterait de faire un petit looping? Un tonneau. Ah bah il accepte de faire un tonneau. Bon, le rattrapage est un peu ardu derrière, mais bon, ça a le mérite de marcher. On va descendre. Mètres secondes. Il va falloir qu'on ralentisse un poil quand même. Hop.
pour ralentir. Éventuellement, je fais demi-tour, comme ça je pointe au prograde en y voyant, c'est mieux que de tirer en arrière. Et là, on descend. On retire un poil en arrière, hop. On va pousser un peu vers le prograde légèrement. Le rétrograde plutôt. On va éteindre parce que ça flashouille quand même sévère. 4-9 mètres, on va réduire un peu. Hop. On pousse au prograde, au rétrograde. Ah, je vais finir par le maîtriser mon truc là. Ouais, c'est pareil, quand j'aurai, il faudra que je lock les... faudra que je lock les patins aussi. Tac. On va arrêter les moteurs. J'ai une antenne pour transmettre la science. J'ai un dropship assez sympa si tu veux t'entraîner au vol de quad. Ah, pourquoi pas, ouais. On peut replier l'antenne. Le principe, c'est que je vole toujours avec l'antenne repliée, bien sûr. Hop là, voilà, il y a une patate là, le truc, c'est parfait là. Il est beaucoup plus gros. Ouais, en fait, alors attends. Parce que avant de commencer le challenge KSC, j'avais jamais utilisé les hélices. Hein. J'avais jamais testé le mode des hélices. Hein. Donc, je suis arrivé là, j'ai dit bon, il faut que j'apprenne à faire les hélices. Donc, j'ai fait déjà un drone de base. J'ai fait ça au début. Qui est beaucoup plus gros. Bah pour m'entraîner à voler quoi. Ouf. Ah oui, j'avais le joystick déjà calé en haut. Donc je me suis entraîné avec ça. Ah, il est beaucoup plus lourd, il est beaucoup moins maniable évidemment, mais j'ai réussi à voler avec. C'était dans l'épisode 1 de mon aventure. Voilà, lui par contre je peux pas faire de looping, c'est même pas la peine quoi. Le dropship j'ai fait encore plus, mais il y a des pivots permettant le contrôle sur trois axes, du coup ils sont trop... là d'accord. Hein. Donc ça c'était pour apprendre à utiliser les fonctions, les trucs, parce que bah, j'y connaissais que dalle. Et ça c'est le c'est le prototype du modèle de Kira Kira sur Titan. Avec son découpleur fait maison là. Alors, il faut que j'aille tester un peu ses capacités de manœuvrabilité. Exotique on va dire. Donc là, caméra verrouillée parce que sinon c'est indémerdouillable. Tac. On démarre les moteurs, on active le SAS, on va éteindre les lampes parce qu'il fait jour. Et il est compact surtout. Enfin il faudra quand même une coiffe de. Un bouclier de 3,75 m pour le. Pour arriver à le descendre sur Titan. Et la capsule de 3,75 m de diamètre, faut que je la foute sur une sonde. Qui elle va se mettre en orbite. Elle va être grosse la sonde, ma sonde Cassini là.
Elle va être vraiment très très grosse. Ça va être de la sonde de compète. Ça se manœuvre relativement bien. Bon, par contre, et pouf! Ouf la vache. Je comprends. Je suis étonné de ne pas avoir explosé là quand même. Bon, après, l'objectif, c'est pas de faire ça. Il a un assez beau truc, moins de détails. Ouais, j'ai pinaillé à fond là. J'ai pinaillé à fond là, quoi. Hop, on va faire un looping. Hop là. Et un petit tonneau. Hop là. Faut que j'essaie de voir si j'arrive à le rattraper. Au cas où je fasse une connerie. Et a priori, ça a l'air d'aller. Alors on va voir si j'arrive à le poser proprement là-dessus. Faut que je tire vers le rétrograde. Hop, on va pousser vers le rétrograde par là. On va descendre. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Va par là, tranquillement, tranquillou. Hop, un peu sur la gauche. Alors, j'ai vu qu'en freinant, on peut bloquer les hélices. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Pour pouvoir faire une descente rapide. On va tirer un peu sur la gauche. Un peu vers l'avant. Un petit peu plus de patate, il faut que je monte. On va éteindre les loupiottes. Le plus dur, ça va être le pilotage de précision. Hein. Ça va être un petit peu ardu. Allez, 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 hop. Hop là! Chut. Et on coupe les moteurs. C'est pas évident à piloter quand même. Hein. Mais bon. Ça se fait quand même pas trop mal. Enfin, je suis plutôt content. Alors, on va éteindre toutes les loupiottes par contre. Voilà, et celle-là aussi. Maintenant, je dois encapsuler ce bazar dans une coiffe. Donc là, c'est provisoire, le parachute, il sera pas exactement comme ça ensuite, mais le principe est là, quoi. Donc ça, non, c'est pas celui-là. Celui de descente, il est là. Donc en position transport, c'est comme ça. Voilà, ça c'est la position dans laquelle il va arriver. Pour mieux voir la vitesse orientale, je recommanderais le point de contrôle orienté vers le haut plutôt que vers l'avant. Ah oui, ouais, effectivement, on pourrait. Faudrait que je pourrais toujours essayer de faire des essais avec le point de contrôle vers le haut. Donc ça c'est sa position dans laquelle il est pour le transport. Donc tout replié. Et ça donc il faut que je le mette dans une... Alors le parachute il sera pas là, il sera plus haut. Après à toi de voir et mon dieu que c'est compact. Ah oui et c'est... Et il n'y a pas de glitch. Hein. À part les structures comme ça métalliques, bon. Mais sinon...
C'est... Ouais, c'est compact. Ça passe. Ric-rac, mais ça passe. Il va se déployer quand il faut... Ah bah je vais faire une démo de la de déploiement, Pipoubé et Perry. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça tout de suite. On va mettre une structure provisoire pour le tenir en l'air. Tac. Donc on va mettre ça en vrac ici. C'est juste pour... Tac, voilà, c'est juste pour la démo. Donc il y aura un bouclier thermique en dessous. Je vais le mettre hein, juste pour le fun. Ouais, ce sera plus complet, hein, mais il y aura, voilà, il sera dans une capsule avec un bouclier comme ça là. Ok, donc on va lancer ça. Voilà, donc là il va arriver sur Titan, donc dans sa coque, hein, il sera dans une coque complètement fermée là. Ensuite il va bazarder la. Il va bazarder la coque arrière. Ou le bouclier en premier, je sais pas dans quel ordre. Mais à un moment donné, bref, il va lâcher le bouclier. Donc il sera sous parachute, hein. Le parachute sera ouvert. Il sera sous parachute. Il va lâcher le bouclier thermique. Donc là, il va se retrouver sous parachute en l'air, en fait, hein, tout simplement. Et là, il va se déployer comme ça. Tac. Donc les moteurs vont se déployer, les pieds se déplient. Donc toujours sous parachute, hein. Tac, voilà. Donc là, une fois qu'il est déverrouillé, je verrouille toutes les articulations pour plus que ça bouge. Il faudra que je fasse manuellement de l'autostrut en plus, mais ça c'est un détail. Et là, il va démarrer les moteurs, lâcher le parachute. Là, j'abandonne le parachute. Et ensuite, je vais me poser. Je finis de me poser avec les au moteur. En gros. Et donc là, il faut que je l'encapsule dans une. Il faut que je l'encapsule dans. Dans une coiffe de 3,50 m. Alors, de 3,75 m. What? Il veut pas que je place le segment là? Il y a un truc qui gêne? Oh, ça peut arriver, il y a peut-être un truc qui gêne par là. Ouais, c'est ça, c'est que ça fait un peu le bazar. Donc on va arriver par là. Ressemblait à un truc un petit peu comme ça, mais pas tout à fait. Donc je vais pour l'instant l'effacer. Elle sera en coquille. Elle aura trois faces, je pense. On verra la couleur que je lui mets après. Ok. Alors là, faut que je ce parachute là. Faut, là, faut maintenant, je vais réfléchir à l'étage de, enfin,
la séquence de descente. Faut que j'ai pas encore défini bien dans comment je vais la faire. Allez, les supports de sont bien plus jolis qu'avant. C'est quand même nettement plus joli les trucs de coiffe là. Quand tu j'éjecte la coiffe et j'ouvre le parachute après. Ou alors je mets un parachute également en haut de la coiffe. Ça, c'est la grande question. C'est une très bonne grande question, ça. En sachant que je peux également... Parce que là, je pense que ça, je vais le forcer un peu à l'intérieur. En fait, mon découpleur, il techniquement, il serait comme ça, quoi, en fait. Peut-être je serais par là, quoi. Parce qu'éventuellement, je peux mettre, on peut mettre des nodes là pour faire des trucs. Nœud inter-étage avec. Parce que je peux mettre une petite structure, genre un point parachute directement. Je crois que je peux mettre un parachute direct si je fais ça. MK25, parachute de freinage. Ah ouais, mais il fait cette merde si je fais ça. Je veux pas. Ah oui, aucun. On peut faire ça. Et là, normalement, si je fais quand sur quoi, je peux aller fermer la capsule. Non, il faut une section, une petite section droite. Et il veut pas me la fermer. Ok, parce que le parachute, ça marche pas. Faut que je mette autre chose que le parachute sur le nœud pour que ça marche. Alors, on va mettre une structure en treillis comme ça, genre par exemple. C'est pas très gros ça. Qu'est-ce que j'aurais de plus pertinent? Peut-être un petit truc comme ça. Non, ça va pas. Ou un petit cône. Ça serait peut-être pas mal. Ah, mais le parachute est pas de la bonne taille là. Un plus gros cône alors. Ouais, ça fait trop gros, ça j'aime pas. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Ah, ils les ont fait plus jolis leur truc vers triple et quadruple là, c'est une meilleure tête. Ça c'est quand même bien, ça ressemble meilleure gueule qu'avant. Tant mieux. Peut-être un tube structurel T18. Non, c'est pas un T18, c'est un T12 qu'il faut. Non, mais je préfère un cône. J'aimerais un cône. Alors dans les réservoirs, je sais qu'il y a des petits cônes qui sont pas mal. Genre ça, parce que ça, bon, c'est un réservoir, mais je le vide, hein. La limite, voilà. Ça dessus, j'y mets le parachute. Ça, je le descends au maximum de ce que je peux. Après, si je fais contrôle, normalement,
Je peux le descendre plus bas. Oh, attends. On est bien d'accord que tu vas me le descendre comme ça, toi. Voilà. Hein? Ok. Donc construire la coiffe. Donc il faut une petite section droite, sinon il veut pas la plier. Oh non, il veut pas la fermer là. Ah si, c'est bon. C'est bon. Force d'éjection. Alors par contre, il va falloir l'éjecter avec suffisamment de force. On va mettre 300. Ça, c'est la... C'est la capsule de descente de... Du drone sur Titan. Et là-dessous, j'y mets le bouclier thermique. Et là, normalement, je peux même enlever, je pense, les nœuds inter-étage. Tac. Voilà, donc ce truc-là, il va aller sur Titan, il va rentrer dans l'atmosphère, il va ouvrir ce parachute. Quand il aura suffisamment freiné, j'éjecte la coiffe, la capsule arrière, le bouclier arrière, je l'éjecte. Je passe sur le parachute intérieur, là, qui est directement sur le truc. Du coup, tu comptes éjecter le parachute parce qu'actuellement il n'y a rien pour ces palcons et le parachute du support de coiffe. Ah, je vois ce que tu veux dire. Il risque de garder le parachute. Il risque de le garder attaché en fait. Si je fais comme ça. Et ce qu'on va faire, on va tester. D'abord j'active le parachute, puis je sépare la coiffe. Puis j'éjecte ça en même temps que... non, le parachute, ça je l'ouvre ici. Je sais pas, on va essayer. La coiffe va bien s'éjecter mais pas le parachute. Ah. Je vais faire un essai. Je vais mettre un découpleur de ouf. Je vais mettre un réservoir de ouf. 3,75 m, ils sont où? C'est ceux-là. Par là. On va mettre... des moteurs genre ça, lancer. Ah, faut que je fasse l'essai parce que je sais pas ce que ça va donner en fait. Faut bien que je vois comment ça va se foutre. Ah, le TF12. Titan. J'ai bien dit d'aller chez Titan là. Ah.
me disais aussi. Ah oui, il faudra que je mette un corps propre aussi qui tienne le rétro, qui tienne les tous les modes, hein, parce que sinon ça va vite me saouler ça. D'ailleurs, ce que je pourrais faire, d'ailleurs, c'est dans les réglages. En fait, tac, accepter, accepter. Ça, c'est pas interdit. Sauf que à mon avis, il l'a pas pris en compte. Bref. Bon, je me dirige visiblement par là-bas, donc on va se mettre dans ce sens. Hop, on va allumer. Ouf. Oh, la stabilité de ouf. Oh, attends, déjà on va avancer de l'autre côté, parce que je voudrais bien faire le test de jour quand même. Ouah, je suis dans l'atmosphère à cette altitude. Anomalie, c'est pi sur 2, je crois. Pi, je m'en rappelle jamais. Pi sur 2. Pi, tout court. Voilà. Bon, alors donc on va se mettre dans l'autre sens. Pointé par là-bas. Non, c'était pas le bon. C'était pas le bon truc. À gauche. Hop là. Monte. What? Pourquoi il me met le prograde ici, là? Le rétrograde là? Ah ouais, mais c'est qu'il est pas orienté dans le bon sens. J'y vois rien en plus. Ah, il est complètement jeté le truc là. Dans quel sens il va falloir que je tourne pour qu'il se mette dans le bon sens? Pas comme ça. Là, je tourne comme ça, donc c'est pas ça. J'y vois rien, j'y vois que dalle. Ah, parfait. Ouais, non, mais je sais que le point de contrôle du drone il est pas dans le bon sens, mais là je veux juste faire un essai con. Bon, attends, ça me saoule. Je vais pas y passer la nuit avec cette connerie. Je vais foutre un core probe au cul de ce truc. Hop. Alt F12, Titan, définir orbite. Voilà. Ça maintenant je mets le SAS, je fais contrôler. De la rétrograde. Là tout de suite déjà, ça va aller mieux.
Et on va se faire une petite entrée qui va bien. Allez, on va mettre 50 000. Je sais pas quelle est l'altitude de l'atmosphère de Titan. Donc on va découvrir ça. On va accélérer un peu le temps. Du coup, je vais découvrir l'altitude de l'atmosphère ben, en direct. 1x. Ah, ça serait 85 000 alors ou 84 000? On va se mettre par rapport à la surface. Par contre, je vais dans le noir là. Ça m'ennuie. Ouais, je sais, ne plus afficher. Moi, c'est ça qui m'intéresse. m/s. Oh, mais en fait, je vais tout doucement. Bon, après, je vais arriver normalement à très grande vitesse dans ce système. Je vais arriver à une vitesse interplanétaire, hein, donc ça va être autrement plus costaud que ça. Ah ouais, je passe déjà en surface là. Ouais, non, mais c'est nul, j'avance pas. Relancer le vol, revenir au lancement. Il faut que je me mette beaucoup plus haut que ça. Et on va mettre pi et demi, donc allez, environ 5. Puis on va rajouter un 0 de plus. Tac. Ah, même pas, hein, parce que sinon. Non, 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 pas tant que ça. 4. Ok. SAS. Donc on va contrôler depuis ça. On va se mettre en rétrograde. Et puis on va freiner. Genre PE à 23 000, là ça va rentrer sévère là. Ok. On éjecte le bazar. Avancer jusque là. Ah bah voilà, là je vais être du côté jour pour rentrer. Ah oui mince, je suis resté sur le débris. Ah c'est celui-là qui m'intéresse. Après, je peux peut-être changer le point de vue, tu me diras sur le truc. Point de contrôle suivant haut. Ça va être peut-être ça qu'il faut faire en fait.
Alors j'ai pas du tout l'impression de me diriger vers le rétrograde là, hein. Je sais pas comment il compte le truc, mais... Inverser, ça change rien. Ah mais attends. Ouais, c'est ça qui allait pas. Par rapport à la surface, on va se mettre en rétro. Voilà. On va finir par y arriver. Ouais, 600 mètres secondes, j'arrive pas vite là. Il va me falloir une vitesse beaucoup plus grande pour tester ce truc là. Donc là, j'active le parachute qui va se déclencher tout seul quand ce sera le moment. Bon, 1h34, je, après ça, je vais aller me coucher. Parce que demain, je bosse, faut que je me lève à 7h. Essaye de faire... Ouais, c'est ce que je vais faire, mais là, je vais déjà finir ce test. Là, quand même, je suis rentré dans l'atmosphère, je vais voir ce que ça donne déjà. Ouais, faut que j'arrive à une vitesse de gorée là pour que ça marche. Que je vais arriver peut-être à 3-4 km/s hein, dans le machin là donc. Donc, déjà ma capsule elle est auto-stabilisée donc ça marche. Quand je suis sans le SAS, hein, je suis simplement en. Je suis simplement. J'en chute libre hein, dans l'air. Donc la capsule fait son job. Elle est auto-stable. Après ouais, la descente est lente, hein. Ça freine très très fort là. Le bouclier thermique, je sais même pas s'il va être utile. Non mais s'il faut un bouclier pour au moins pour le principe quoi. Au moins pour le principe. Mais Astrid, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il va même y avoir besoin du parachute en fait? Ça va faire un posé à la Vénus sans parachute. Avec 600 degrés de moins, mais bon. Enfin, ça descend, ça descend, ça descend. km, 180 mètres secondes. Accélérer le warp à cette vitesse, je vais pas lui faire du mal. Ouverture du parachute. C'est là que si je fais espace, qu'est-ce que ça va donner? Ah ouais, d'accord. Ah, ok. J'ai compris le blême. Ça aurait dû se barrer avec. Normalement. Il faut que je mette un découpleur en fait. Ah, je peux pas relancer le vol? On s'en fout. Faut que je mette un découpleur en fait sur le truc pour me débarrasser à la fois du.
Alors, open. Voilà. Effacer la coiffe. Nœud inter-étage avec. Donc là, je mets un découpleur. Pourquoi il y a deux nœuds à chaque fois là? Ah oui, c'est soit dessus, soit dessous. Non, c'est pas un 12. C'est pas un 12. C'est un 18. Dans ce sens-là et sur le nœud du dessus. Je mets ça là. J'enlève le nœud. Je déplace ça. Jusque par là. Voilà. Ensuite, construire la coiffe. On est pas mal, on est pas mal. Donc d'abord je vais séparer. Non, non, pas ça. D'abord je vais séparer ce truc-là. D'abord je vais allumer les moteurs. Après je vais séparer ça. Ensuite, quand je jette la coiffe, je sépare simultanément le parachute. D'abord, je vais ouvrir le parachute qui est là. Ensuite, je largue ça et la coiffe en même temps. J'ouvre le parachute juste derrière. Et après, je bazarde le bouclier thermique. Ok. Allez, on va essayer ça. Cool, je vais me coucher moi aussi. Je regarde aussi s'il n'y a pas moyen de créer un scénario de mission et sans simplifier ce genre de test. De créer un scénario de mission. Ah, ouais. Ouais, ce que là, le problème, c'est qu'à chaque fois, faut que j'aille Alt F12. Machin. Si je fous un 0 de plus, je risque de me retrouver en dehors de la SOI, je pense. Ah non. On va essayer un peu plus. On va essayer avec 23 par exemple. Manifestement, il veut pas, ça va être trop grand, je pense. Cinq, quatre et huit zéros. En fait, je suis déjà en limite de SOI, quoi. Ouais, je suis en limite de SOI, je pense. 37.
4. Ouais, je suis en limite quoi. Excentricité 0,5. Ouais. Non, excentricité 0. Bref. On va laisser ça. M. Donc, contrôler d'ici. SAS. Rétrograde. On va descendre bien bien bas. Ouais, mais j'arrive qu'à 500 mètres par seconde, mais c'est un truc de fou quoi. Moi, je vais aller plus vite que ça, moi. Moi, je vais arriver comme un furax dans l'atmosphère de Titan là. À cramer tout le carburant que j'ai. Les vrais strates. Je sais pas combien là, 200 km. À tes souhaits, j'arrive plus au moment où tu éternues, ça a décapé mes... Ah, désolé. J'ai la gorge irritée et... Allez, droit dans le prograde. 182, 181. 1700. Ah, ton volume était à fond. Ah oui. Désolé. Là, j'arrive dedans, là, vraiment comme un sauvage. Hein. Point de contrôle haut. Ouais, je joue avec un joystick. Contrôlé d'ici. Éjecté.
On enlève le SAS. Ah, ben voilà, déjà là tout de suite. Non, je vais me prendre le truc dans la tronche. Mais ça va. Ça, c'est de la réentrée propre au moins. Donc on va activer le parachute. Ça change la vie, j'ai un décan flypack, mais depuis que je l'ai, j'ai jamais pris le temps de configurer pour Kerbal. Ah oui, avec un joystick, oui, carrément, c'est pour faire les... Alors pour les fusées, non, clairement pas, mais pour le drone, là, c'est indispensable. Hein. Piloter un drone sans joystick, ça... Enfin, ça me paraît compliqué, quoi. Là, c'est de la bonne chaleur. Ah oui, là, c'est de la bonne chaleur, là. Ouais, c'est rouge, là. Là, j'ai eu du freinage, c'est sérieux, là. Là, j'ai eu du... Voilà. Et notre machin, il va ressortir de l'atmosphère là-bas à la vitesse où il est parti, je crois. Hein. Quoi qu'il semble avoir explosé. Va mettre le warp time parce que bon, là. Je suis plus qu'à 200 mètres seconde, quoi. C'est de la soupe l'atmosphère de Titan, c'est un truc de dingue. Hop là, là je mets le parachute. Faudra que je règle leur altitude de déploiement complet, bien sûr, hein, parce que là... Altitude, bien sûr, je veux que tu ouvres à 5000 mètres, hein, tant qu'à faire. Ils sont sympas les doubles parachutes, avant il n'y en avait qu'un, là. Franchement, c'est... Ouais, c'est nuage de ouf là, attention, ça rigole plus là. Ah, je les avais vus dans le teaser de la du challenge, ouais, les nuages comme ça là. Oh, là, on est vraiment dans la soupe là, hein. Mettre par rapport au sol. Hop là, 5000 mètres. Donc là, je vais ouvrir les en grand les parachutes de freinage. Hop. Ça me fait chuter ma vitesse à mort. Ok. Hop là, j'éjecte ça. J'ouvre le petit parachute. Adieu la coiffe. Va mettre seconde. J'éjecte le bouclier thermique. Et là, pourquoi il fait ça? Ouais, il a dû toucher un peu le... Faudrait que je mette un... Ouais, non, parce que ça a dû le lever, en fait. C'est de la soupe, cette planète. Là, j'ouvre... J'ouvre ça. Là, je prépare mon joystick. Hop là! Voilà, là, là, là. Ouais, faut que je revoie ça, parce que là... Je pense que le deuxième parachute en fait sera inutile là. Le parachute qui est sur le drone en fait sert à rien. On verrouille les pièces. Ah, je sais pas parce que c'est en mouvement. Ouais, mais attends, on va mettre le SAS. Je vais remettre la vue de face.
On va le remettre à l'horizontale. Hop, 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 hop. Tac. On va se mettre en... Ouais, en fait, faut que je mette le SAS dès qu'il est en... Verrouillé. Hop. On largue le parachute. Couper le parachute. On démarre les rotors. Ah mais d'accord, même avec les pales à zéro, je monte. Ah ouais. J'ai aucune portance là, hein. Là je descends, en fait ouais le parachute à l'intérieur il sert à rien en fait hein, carrément hein. Bon déjà le champ de gravité bon il est pas c'est pas un truc de fou mais il descend sa propre traînée se suffit à lui-même quoi hein. J'ai juste à démarrer les moteurs en arrivant en bas et je serai bon hein. Toujours mes parachutes là-haut là, -haut, là. Qui descend 1,5 km au-dessus, 16 mètres seconde. Vélocité terminale 16,7 mètres par seconde. Je suis à l'arrêt, hein. Je suis encore à 1500 mètres du sol là. Les moteurs sont à l'arrêt. Si je démarre les moteurs, le truc, il monte tout seul. Alors que le pas des hélices, je l'ai laissé à zéro. Il y a le bouclier thermique, je crois qu'il s'est vautré la gueule par terre. Ah ouais, là-bas, ouais. Ça va être compliqué, ça va être pour redescendre. Je pense qu'il va falloir que je prévoie un pas légèrement négatif sur les pales dans le programme parce que sinon je vais jamais descendre quoi. Je vais monter et s'il faut, je peux pas descendre de moteur arrêté, c'est pas. Ça va pas le faire quoi. Cinq cents mètres. Trois cents mètres. Je vais démarrer les moteurs. Ah si je descends hein, quand même. Mais bon, c'est pas voilà quoi. 0,6 mètres par seconde. Autant dire que je vais mettre un moment avant d'arriver en bas là. Hein. Après bon, je peux faire ça aussi. Hein. Là, je vais descendre. Là, ouais, je me suis mis en biais, je plonge là. Cent soixante-dix mètres. Ah, je vais pas avoir de mal à me poser, en tout cas, en douceur, hein. J'ai du mal à descendre. Quatre-vingt-dix mètres.
toujours en descente, 10 mètres par seconde. Et je suis sur un terrain en pente, donc en fait je descends moins vite que ça par rapport au sol. Je suis à 5 mètres seconde en descente. On va allumer la lumière pour commencer d'y voir. Là, je suis littéralement à 0 en l'épale. L'épale, je suis à 0. J'ai aucune portance normalement. Mais le truc, c'est tellement de la soupe. Mètres/s. Vitesse verticale, je suis à 0 et pourtant j'ai aucune portance dans l'épale. Va falloir que je prévoie du négatif. En tout cas, mon éclairage est bon. J'ai des bons repères en dessous là, donc ça c'est bien. 10 mètres. Sept mètres. Cinq mètres. Trois mètres. Deux mètres. Contact. J'arrête les moteurs. Bon. Bon, bon, bon. Alors le parachute qui est dedans ne sert à rien. Ça c'est ok. Et donc pour ce qui est des... Pour ce qui est des pales, il faut que je prévoie une portion de la jauge où je suis en négatif. Parce que sinon je vais jamais descendre. Ou alors réduire la vitesse. Mais bon, il est 1h du matin. Je me lève dans 6h. Donc je vais y arrêter là pour aujourd'hui. Et puis voilà. Et puis voilà. On va revenir au centre spatial. Je vais la laisser là, ça je pourrais faire des essais dessus. Sans la ramener à nouveau. Il veut pas revenir au centre spatial. Ah. Bah oui. Ça c'est pas cool s'il veut pas que je revienne au menu principal par contre. Pourquoi il veut pas que je retourne au menu principal, le jeu. Je suis à l'arrêt là, je suis... Ah! Je crois que c'est lui là qui veut pas. Et ouais, tant que j'ai lui qui bouge dans le... Qui descend, je vais pas arriver. Quitter quand même, voilà. Il voulait pas parce qu'il y avait l'autre pièce en mouvement au-dessus. Ok. Ah, puis à la vitesse où il descend, il en a pour des heures là. Ok, bon ben merci d'avoir suivi. La suite donc un autre jour, je ne sais pas quand. Et ben à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a intéressé. Bonne soirée.